du Blermbos. Alors nous sommes aujourd'hui au bord de l'Aigle et nous allons aller visiter dans quelques instants l'écomusée de la vallée de l'Aigle qui se trouve dans un ancien presbytère et qui propose de nombreuses expositions et animations sur les thèmes de la vallée. Alors comme je vous le disais tout à l'heure, l'écomusée accueille des expositions. Actuellement, on a l'exposition à Tire-d'Aigle qui se termine, mais l'équipe de l'écomusée travaille déjà activement sur la prochaine exposition 2014 qui sera dédiée aux arbres. Alors nous voici désormais au troisième niveau de l'écomusée où nous retrouvons une exposition archéologique montrant notamment des vitrines présentant des objets façonnés par l'homme, mais également le résultat de fouilles archéologiques de l'église Saint-Martin qui présente des objets du XIIe siècle. Aujourd'hui, on est à l'écomusée et on découvre plein de choses sur l'eau, sur les plumes. On a découvert différentes choses. Alors, notre visite à l'écomusée de la vallée de l'Aigle se termine. Je vous dis à très bientôt sur la route du Blermbos.